Добро пожаловать в мой канал. Tempête Carmen, un mort, 26 départements en vigilance orange copyright. Perf par chiffre Damien Meyer, les vents violents annonçant la tempête Carmen qui devrait traverser la France d'ouest en est lundi ont provoqué dimanche la mort d'un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, alors que 26 départements sont en vigilance orange pour le nouvel an. Un homme d'une soixantaine d'années a été tué par la chute d'un arbre sur la voiture dans laquelle il se trouvait près d'un bois à Estérans-Subie, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, selon la gendarmerie de Pau. Carmen, la troisième tempête hivernale après Anna et Bruno en décembre, est annoncée pour lundi matin, mais dès dimanche après ce midi l'ouest du pays était touché par des pluies parfois soutenues accompagnées de rafales de vent de 60 à 80 km/h ainsi que par de fortes vagues sur le littoral, selon Météo France. Dans la perspective de vents violents, qui pourront aller jusqu'à des rafales de 140 km/h par endroit, Météo France a annoncé dimanche le placement, de lundi 6h à 20h, de 18 départements en vigilance orange vent, 7 en vigilance vent et vagues et submersion et un 26e, les Pyrénées-Atlantiques, en vigilance vagues et submersion. Le vieux port de La Rochelle, le 16 juillet 2009, copyright Xavier LEOTYKFP. La concomitance du passage de Carmen avec des coefficients de marée élevés 97 pour la pleine mer lundi après ce midi risque d'entraîner des phénomènes de submersion marine sur les parties exposées ou vulnérables du littoral. Tous les départements de la façade ouest, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques, sont ainsi concernés par l'alerte orange vague et submersion. Ces risques météo ont déjà conduit plusieurs municipalités à annuler des événements prévus en bord de mer. Ainsi, certains traditionnels bains du Nouvel An ont été annulés ou reportés, comme celui d'Anglais Pyrénées-Atlantiques, reprogrammé pour le 7 janvier. La mairie de La Rochelle Charente-Maritime a annulé le bal du Nouvel An prévu lundi soir sur le Vieux-Port et la ville de Biarritz Pyrénées-Atlantiques a interdit l'accès aux plages jusqu'à mardi. Jusqu'à la Corse, la dépression Carmen va évoluer en tempête durant la nuit en approchant des côtes françaises, a précisé Météo France, notant que ce type de violente tempête hivernale se produisait 3 à 4 fois par an. À peine achevées les festivités de la nuit de la Saint-Sylvestre, le vent violent se généralisera rapidement lundi matin de la pointe bretonne jusqu'à l'estuaire de la Gironde. La tempête Carmen copyright Jean-Michel Cornu AFP des rafales de 120 à 140 km/h sont ainsi attendues sur le littoral. Les vents violents s'étendront également au nord de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et sud du centre, avec des rafales de 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres. Avec localement 120 km/h, en particulier sur la Vendée et le Poitou-Charentes. Aucune région ne devrait être épargnée par le vent, qui devrait toucher aussi les Alpes et la Méditerranée dans le courant de la journée. La Corse en particulier sera la cible d'un vent violent en soirée et durant la nuit suivante, a-t-il indiqué, évoquant des rafales certainement supérieures à 140 km/h sur l'île de Beauté. Consigne de prudence. Les consignes à observer en cas de vent violent sont de limiter ses déplacements, d'adapter sa vitesse en voiture, de faire attention aux chutes d'objets, d'éviter de se promener sur les zones littorales et forestières. De fortes vagues s'écrasent sur une digue près de la citadelle d'Ajaccio, le 11 décembre 2017, en Corse copyright Pascal POCHARDCASABIANCAF par chiffre Carmen, tempête hivernale classique et d'une intensité comparable à Anna 11 décembre et Bruno mercredi, pourrait entraîner des dégâts dus à des chutes de toiture ou d'arbres pouvant endommager le réseau électrique. Dans le Finistère, 400 foyers étaient privés d'électricité dimanche matin. La tempête a été baptisée par Météo France d'après une liste de noms établie par ordre alphabétique en partenariat avec les services météorologiques espagnols et portugais. L'organisme météo souligne que donner un nom aux tempêtes permet de communiquer plus efficacement, et que des sondages ont montré que la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité quand la menace de vent fort est clairement identifiée comme reliée à une tempête nommée. 3112-2017-194-328 Paris AFP Copyright 2017 AFP.